pour vous montrer que, d'une part, c'était pas quelque chose de complètement nouveau, mais que maintenant on avait aussi des... Je veux dire, maintenant on fait plus ça avec le jaune verdâtre et le vert jaunâtre. Hein. Enfin, personnellement, je suis incapable de faire la différence. On fait ça avec un spectromètre, comme je l'ai dit. Mais on s'en sert dans mon labo tous les jours. Pour, par exemple, si j'ai un film comme ça, voilà, vous avez un film de savon typique, je peux voir au premier coup d'œil, grâce à cette échelle-là, ah bah oui, il est plus fin en haut qu'en bas. Je regarde l'échelle, noir, film fin, et là quand je descends, je vais vers les... Alors d'abord vous avez des couleurs pures, puis après c'est de plus en plus grisouillou sale. Là j'ai des épaisseurs de plus en plus grandes. Donc voilà, juste qualitativement comme ça, au premier coup d'œil, je sais vous dire, voilà, ce film, il est plus fin en haut qu'en bas. Et ça, c'est un peu normal. Le liquide qui le constitue, il coule du haut vers le bas. Donc, vraiment, là, on a une mesure du local de l'épaisseur du film de savon. Et comme je le disais, c'est pas des trucs de papy, dans le sens où moi, je fais ça dans mon labo avec un spectromètre pour mesurer la couleur, mais je veux dire, tous les jours. C'est super, quand même. Alors, je vous parlais de mon labo. Je vais vous raconter un peu ce que je fais avec des films. Recherche. Donc avec des films, je fais des films. Je vais vous montrer un film de film. Voilà. Donc ici, vous avez un cadre métallique, c'est ce qui est blanc, avec des fils tendus. Là, vous en voyez trois, un horizontal, deux verticaux. Et là, j'ai un bain de liquide d'eau savonneuse, si vous voulez, qui descend progressivement et ça forme un film sur le cadre. Et comme vous le voyez, il y a un tas de trucs vachement compliqués qui se passent au niveau des couleurs. Ce qui veut dire, d'après ce qu'on vient de voir, qu'il se passe des trucs vachement compliqués d'un point de vue de l'épaisseur du film. Donc vous voyez, là vous avez, on retrouve un peu l'échelle de Newton avec un film plus fin. Là vous voyez apparaître un film noir. Un film noir, donc le film le plus mince. Ensuite vous avez l'échelle là, hop, qui augmente. Et l'épaisseur augmente quand on va vers le bas. Et puis vous avez la rupture à la fin. Alors, à votre avis, quels sont... Alors, c'est, je veux dire, j'aurais pu le faire devant vous, hein, ça. Alors, pas avec une platine, etc. Mais, à votre avis, quelles sont les questions qu'on se pose sur un objet aussi bête que le film de savon, à l'heure actuelle, en recherche? Je vais poser une question, c'est pas la réponse que vous demandez. Non, mais je... qu'est-ce qui faisait qu'un film de savon est plus ou moins stable dans le temps, dans des conditions pareilles? Par exemple, une boucle qui est identique, qu'est-ce qui fait quand on tombe dans un liquide, il y a une boucle qui va tenir, je ne sais pas, une minute, et une boucle qui va tenir 5 secondes? Alors ça dépend principalement de plusieurs choses. D'un point de vue physique, ça dépend de la vitesse à laquelle tu sors. On va dire la même. Ok, donc ce qui reste, c'est la chimie. C'est la chimie des tensions actives que tu mets dedans, qui tiennent plus ou moins bien ton film. S'il y en a plus, on peut dire que ça tient plus longtemps, ou... Alors, grossièrement, on peut dire ça, ouais. Disons que moi, pour faire une solution qui tient bien, je mets beaucoup de tensioactifs, ça marche relativement bien, mais c'est la question que tu poses là, c'est toujours une question ouverte en recherche. Donc finalement, tu réponds aussi à ma question, parce que le lien entre qu'est-ce que je mets dans ma solution comme tensioactif et combien de temps mon film de savon va durer, c'est toujours un truc qui est absolument pas compris à l'heure actuelle. Il n'y a pas une histoire de viscosité en fait, parce que justement j'avais essayé. Ouais. Et il y aura un temps un peu visqueux, ça fait beaucoup longtemps, je ne sais pas pourquoi. Parce que la viscosité, elle t'empêche le drainage du liquide, ouais, vers le bas, elle te ralentit le drainage. C'est pour ça. Mais si tu veux qu'on en discute un peu plus à la fin, on pourra y revenir si tu veux. Voilà, donc on a eu une bonne question de recherche qui a été posée, il y en a d'autres, même encore plus simples. Déjà, pourquoi est-ce que le film, il a l'épaisseur de savon, enfin, l'épaisseur qu'on mesure? Ne serait-ce que ça, si vous fabriquez un film, je sais mesurer son épaisseur grâce à ses couleurs, mais je ne sais pas vous dire, en fonction de ce que vous avez mis dans votre solution, de la vitesse à laquelle vous avez tiré le film, je ne sais pas vous dire quelle sera sa forme. Est-ce qu'il sera tout droit? Est-ce qu'il va faire comme ça? Est-ce que... Ça, c'est une question qui est toujours pas élucidée. Et plus grave encore, qui est une question centrale dans ma thèse, c'est à quel moment est-ce que le film de savon, il éclate? Parce qu'aujourd'hui,
en 2013, on ne sait toujours pas pourquoi le film de savon que je vous ai montré là, il éclate. C'est quand même grave. Non, pas si grave que ça. Mais c'est une question de recherche très très intéressante et tout à fait non triviale en regardant comment... Donc les aspects à regarder, c'est la vitesse à laquelle on génère le film, mais également aussi tout ce qui est la physico-chimie de ce qu'on met comme tensioactif à l'intérieur. Bref, les films, il y a toujours plein de choses à faire dessus en recherche. Alors là, je vous ai mis des films un petit peu différents, parce que depuis le début, c'est savon, savon, savon. En fait, on peut faire des films avec d'autres trucs que le savon. Même si il faut quand même qu'on conserve la double affinité des molécules qu'on met. Donc là, par exemple, vous avez des films faits avec des protéines de lait. Alors pourquoi ça marche? Alors ils ont des chouettes couleurs. Hein, vous avez vu, il se passe des trucs bizarres dans les films de protéines de lait. Alors pourquoi ça marche? C'est simplement parce que une protéine, vous le savez, c'est une molécule biologique vachement compliquée. Mais si, disons là. Globalement, il y a une partie qui aime l'eau, une partie qui aime pas l'eau, ça va pouvoir agir comme un tensioactif. Donc on va pouvoir faire des films de savon avec. Un autre, alors ça je vous ai mis surtout pour est-ce que le film est rigolo, des tensioactifs, vous pouvez en avoir des marrants. Ceux-ci, ce sont des tensioactifs photosensibles, ça veut dire qu'ils sont sensibles à la lumière. Donc ce que vous voyez là, c'est un film fait de tensioactifs photosensibles dont certains ont été éclairés avec la lumière et d'autres pas. Et ce qui se passe quand on éclaire les tensioactifs photosensibles avec de la lumière, c'est qu'ils perdent leur capacité de tensioactif. Donc ça fait du coup qu'on peut localement, si on construit si on fait une mousse avec ces tensioactifs là, localement on peut détruire la mousse rien qu'en l'éclairant. C'est quand même fort. Et donc ça, c'est un film fait avec ces tensioactifs-là, avec des jolies couleurs. Et au passage, vous avez peut-être vu, je vais le remettre quand même, vous avez peut-être vu les déplacements de ces îlots là. On n'a toujours pas compris pourquoi ils se déplacent, pourquoi ils ont l'air de se manger entre eux. Ça, il va y en avoir un qui va manger un autre. 3, 2, 1, miam. Voilà. Ça, on n'a toujours pas compris, c'est une question ouverte. Ça a fait l'objet d'une thèse, donc un travail de 3 ans de recherche. On n'a toujours pas compris pourquoi. On a compris des choses, mais pas tout. Alors, passons à la bulle de savon. Alors, juste très bref résumé de ce qui est important de retenir. Oui? Alors, j'ai pas entendu, je suis désolée. Est-ce que finalement on fait une extraction avant selon ces protéines par rapport au lait qu'on utilise? Je pense que oui. Et dans ce cas-là, est-ce que cette extraction est assez facile à faire? Alors, je travaille pas du tout sur les films de protéines, donc je ne peux pas répondre à votre question. Mais c'est certainement des. Enfin, je veux dire, pour faire des films comme ça, on prend des protéines purifiées histoire de bien connaître le système qu'on fabrique. Parce que. Sinon, ça devient encore plus compliqué si on ne sait même pas ce qu'on met dans notre sauce. Ok, donc, à retenir par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est la molécule de savon, c'est une molécule amphiphile. Elle a une partie qui aime l'eau, une partie qui n'aime pas l'eau. Et grâce à cette propriété, elle va se répartir à l'interface entre l'air et l'eau. Et c'est ça qui va nous permettre de construire des films de savon. Après, vous savez très bien comment, à partir d'un film, on fait une bulle. Vous avez besoin d'un cercle, une solution, vous trempez, vous avez besoin d'un enfant qui souffle, et vous avez une bulle. Jusque-là, rien de mystérieux. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi la bulle qu'on fait est toujours ronde? C'est vrai, ça? Je vois que vous avez déjà des idées sur la question, ouais? Absolument, c'est un problème d'optimisation. Mais la question, c'est optimiser quoi? Oui, c'est ça. Optimiser la surface. Alors, je vais vous expliquer un... Oui? Moi, j'ai une question. Comment la bulle se referme? Comment la bulle se referme? C'est-à-dire, quand on souffle, on met de l'air dedans. Et comment le film se recolle derrière? Voilà. Alors, il se recolle pour la même raison que la bulle est ronde, c'est-à-dire pour minimiser la surface totale.
De la bulle. Mais ça, je vais y venir après. Je veux dire, votre camarade a déjà trouvé la réponse, du coup, il vous a un petit peu gâché la surprise. C'est pas grave. Donc, la raison pour laquelle une bulle de savon s'est ronde, c'est parce qu'il y a une force qui l'oblige à être ronde. Cette force-là, on l'appelle la tension surface. Ça éveille des souvenirs ou... Oui, il y a une... Oui. Ce que c'est que la tension de surface, parce que comme ça, là, ça parle pas tellement. Donc ce que je vais faire, j'ai ici un cadre, c'est ça, j'ai un barreau métallique, je vais poser le barreau sur le cadre et je vais tremper l'ensemble dans une solution savonneuse. Alors, si le barreau il veut bien rester, c'est bien. Voilà, donc, j'ai trempé, je sors, donc quand je sors, je vais avoir deux films, un d'un côté du barreau, et l'autre de l'autre. Voilà. Alors. Je vais peut-être faire un... C'est comme ça, vous voyez mieux? Voilà. Donc ce que je vais faire, là, vous avez deux films, je vais en casser un. Celui-là, par exemple. C'est passé un truc, là. Bon, je vais vous le refaire encore un coup en cassant l'autre film, parce que là, en plus, j'ai cassé le plus petit, ça peut être un peu mieux. Je vais vous refaire un coup la même chose en cassant l'autre film que vous avez déjà vu. Ce que vous avez déjà pu voir en tout cas, c'est qu'il y a une force qui s'exerce sur le barreau. Parce que le barreau, il ne bouge pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, lequel j'avais cassé la dernière fois? Le petit. Le petit? Je casse le grand? Oui. Parfait. Et voilà. Le barreau bouge. C'est donc qu'il y a une force qui s'exerce sur lui. Et cette force, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Alors. Voilà. Petite explication. Il y a une question. Quand vous cassez d'un côté, ouais. Ça se casse de l'autre côté ou pas encore? Non, ça se voyait peut-être pas bien sur le... Parce que ils sont transparents, en même temps c'est un peu dur. Mais non, l'autre film existe toujours, j'en casse qu'un seul des deux. Ouais, jusqu'au moment où ça... Jusqu'au moment où le barreau touche la fin du cadre, auquel cas il n'y a plus de film du tout. Donc, ce qui s'est passé, là vous avez... le cadre, le barreau, une force égale qui s'exerce de chaque côté du barreau, force exercée par le film de savon, si vous voulez, sur le barreau. Je casse un des deux, il reste une force, une seule, celle du film de savon qui reste, qui manifestement tire par là, vu que le barreau se déplace par là. Et cette force-là, donc on peut dire deux choses. Elle se trouve dans le plan de la surface, puisque vous n'avez pas vu le barreau sauter ou sortir du plan de la surface, du film de savon. Et deuxième chose, cette force tend à diminuer la surface totale du film restant. En fait, elle tend à faire disparaître carrément le film de savon restant. Donc c'est vraiment ça, la tension de surface. Après, c'est pas du tout mystérieux, oui. Juste, pourquoi les deux forces c'est égal alors c'est d'un côté on a plus de matière? Parce que la tension de surface, je vous ai un petit peu... Simplifier le truc, la tension de surface c'est une force par unité de longueur et ce qui compte c'est pas la surface du film mais la longueur de barreau. Et la longueur de barreau c'est la même des deux côtés. Enfin, c'est un barreau qui a une longueur. Mais c'est une bonne question. Donc la tension de surface, juste rapidement pour vous montrer que c'est pas un truc super mystérieux, c'est que vous l'avez déjà rencontré plein de fois, c'est elle qui permet à l'araignée de marcher sur l'eau, à ce trombone là de pas couler alors qu'il est plus dense que l'eau. C'est elle qui permet aussi qu'il y ait des petites gouttes d'eau comme ça, sphériques, qu'on puisse voir sur certaines feuilles. Ça dépend bien sûr du revêtement de la feuille, mais c'est quand même la tension de surface qui se cache derrière. Et c'est elle qui vous embête à chaque fois que vous avez des TP de chimie, parce que vous avez un ménisque qui vous empêche de mesurer précisément un volume. Il faut faire attention. Et donc ça, c'est encore la tension de surface. Microscopiquement, comment ça se passe? Parce qu'on a vu macroscopiquement, avec une expérience, quelles sont les caractéristiques, certaines caractéristiques de cette force. Là, je vais vous parler de vie sociale. Normalement, la vie sociale, vous connaissez. Facebook, Twitter, tout ça. Donc, je vous présente la molécule d'eau.
elle a une vie sociale, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant, pour vous expliquer d'où ça vient la tension de surface. En gros, c'est super simple. La molécule d'eau, quand elle est avec toutes ses copines, dans le volume de la solution, elle est contente, pas de souci. Par contre, dès qu'elle est à une interface, avec de l'air en haut et des molécules en bas, elle a que la moitié de ses copines. C'est un peu triste, hein. Et c'est vraiment super simple comme vie sociale, hein. Et c'est finalement ça qui est à l'origine de la tension de surface, parce que la tension de surface, on peut résumer ça comme ça, c'est l'envie du système total qu'il y ait le moins de molécules malheureuses possible. Et pour qu'il y ait le moins de molécules malheureuses possible, il faut qu'il y ait le moins de surface possible. C'est ça la tension de surface. Alors, en pratique, comment ça marche? On fixe un contour, et puis la nature calcule automatiquement la surface. Oui, Catherine, je sais, j'ai vu. Pas vous tromper. La surface qu'on obtient est automatiquement la surface qui minimise l'air, qui a l'air minimal, si vous voulez. Là, par exemple, j'ai un contour, voilà, une pyramide, une verre. Et bien, quand je la trempe là, dans un bain d'eau savonneuse, la forme que les fils de savon. Est-ce que tout le monde voit? La forme que vont adopter les films de savon est celle qui minimise la surface, enfin l'air total des films. Et c'est pas forcément très bien. Là, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas, mais vous n'avez pas un film sur chaque face, mais vous avez des films qui se rejoignent au milieu. Est-ce qu'on verrait quelque chose à la caméra? On peut essayer. Hop. Comment? Ouais, du coup. Ouais. C'est mieux en l'air. Donc, voilà pour la pyramide. Ensuite, on va essayer une autre forme. Voilà, on peut jouer des heures. Hein, je veux dire. Moi, j'ai. Là, par exemple, vous voyez, c'est fini. Hop. Alors là, j'ai des plus, c'est embêtant. Hop là. Là, voilà, pareil, c'est la surface minimale qui est construite. Alors là, en l'occurrence, c'est chaque face qui est un film de savon. Alors là, non, là, il y en a un qui est cassé, donc c'est pareil. Le cube, c'est que les gros, c'est mon préféré. Et voilà, vous avez donc là pareil, vous avez une forme non triviale des films de savon. Il n'y en a pas un sur chaque face, mais ils se rejoignent tous au milieu. Et puis il y a un petit carré en fait qui est un film qui est, si vous voulez, l'intersection des deux autres films. Donc tout ça, vous pourrez jouer à la fin avec ça si vous voulez. Toutes ces surfaces que je vous ai montrées sont des surfaces minimales. C'est-à-dire que, étant fixée la géométrie, donc étant fixée le contour, elles ont l'air minimal possible pour le contour donné. Alors, vous pouvez imaginer ce truc vachement plus compliqué, hein. Là, vous avez fixé par exemple un contour qui est une hélice avec une barre au milieu. Ça vous fait un film qui gentiment prend la forme de ce qu'on appelle en mathématiques une hélicoïde. Et ce qui est formidable, c'est que si mathématiquement vous faites le calcul, c'est un problème de maths qui peut être résolu, hein, si vous faites le calcul de la surface minimale s'appuyant sur ce contour-là, vous tombez sur ce que la nature fait. Sauf qu'elle, elle ne fait pas des maths, elle fait super bien. Donc vous avez d'autres formes, par exemple celle-ci qui s'appelle la caténoïde. Donc les noms que je vous donne sont les noms des formes, des surfaces mathématiques. Mais là, je vous les ai montrées en forme de film de savon. Et là, vous avez cette forme qui s'appelle en mathématiques la selle de cheval. Vous connaissez peut-être. Oui. Encore une fois. D'où vient la condition, à la limite, que le film ne peut pas se décoller du barreau? Alors, ça dépend de la matière dont est fait le barreau, ça dépend en fait de à quel point le barreau est ce qu'on appelle mouillant, à quel point le liquide mouille le barreau, si vous voulez.
Mais il peut, enfin je veux dire, si ça lui permet de minimiser sa surface, il peut se décoller aussi. Hein. C'est voilà. Juste. Hein? À chaque fois, c'est la surface minimale en considérant qu'il se décolle à aucun moment du Là, il se décolle pas. Là, non, non. Là, il touche partout. Il touche le barreau. Hein. Enfin, le contour. Partout, il touche le contour. Après, c'est sûr que si tu changes la condition limite, tu vas changer la surface minimale. Mais la question, c'était plutôt pourquoi ça se décolle pas. Pourquoi ça se décolle pas? Parce que pourquoi il se rétracte pas? Pourquoi? Parce qu'il doit tenir compte du fait qu'il y a du liquide qui est là-dessus, et ça lui, c'est plus défavorable pour lui de partir. Tu vois, il y a une espèce de cap à franchir. C'est plus défavorable pour lui de partir, même si après ça lui permet d'avoir d'être plus content parce qu'il a une énergie plus petite vu que l'air diminue. Mais il faut déjà qu'il arrive à faire cet effort de partir là, et ça, en général, il n'arrive pas à le faire. Sauf si tu le secoues. Il faut lui apporter de l'énergie. Ok, alors un peu d'architecture en fait. Il y a des architectes qui sont intéressés aux surfaces minimales. Notamment ce monsieur, Fry Otto, qui a fait le design du toit du stade olympique des JO de Munich en 72. Ça commence à dater un petit peu. Mais c'est un très joli bâtiment où en fait le toit que vous avez là, se trouve être une surface minimale. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, bon, il avait vu des films de savon, des bulles, il avait trouvé ça chouette, il s'est dit, ok, moi je vais construire une armature en fil de fer, mettons, je vais la tremper dans un bain d'eau savonneuse, je vais la sortir, la nature va me calculer toute seule comme une grande la surface minimale, et je dis que ça sera mon toit. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, c'est pas juste un délire d'architecte, mais ça a des avantages, notamment c'est une surface qui est très, très équilibrée d'un point de vue des contraintes. Les contraintes sont très bien réparties. Enfin, tout ça pour dire que les bulles de savon, ça inspire pas que les physiciens. Et justement, en parlant de bulles, là je vous ai montré les films à chaque fois, la bulle, comme la question a été soulevée à un moment, ou plutôt... Comme on en a parlé un petit peu, la bulle, c'est, il n'y a pas de contour en fait. La bulle, c'est isolé. C'est isolé. Donc, a priori, si on veut, ce qu'on fixe quand même toujours quelque chose, c'est le volume d'air à l'intérieur de la bulle. Mais disons que sans, au début, on peut se dire, bon, bah, on peut avoir n'importe quelle forme si vous voulez. On a deux interfaces d'air, chacune peut prendre la forme qu'elle veut. Et avec ce qu'on a vu sur la tension de surface, on voit qu'en fait, non. On ne peut pas avoir la forme qu'on veut, mais la forme choisie par la nature est celle qui minimise l'air de cette surface et l'air de cette surface-là. Et la solution, c'est un truc qu'on peut faire en mathématiques, la solution c'est la sphère. Donc en fait, c'est pour ça qu'une bulle de savon, à cause de la tension de surface, c'est deux sphères emboîtées. Parce que cette surface-là doit être minimale et cette surface aussi. Et la solution du problème mathématique, c'est la sphère. Alors, ça c'est un truc marrant que j'aime bien. Imaginons, on va faire un peu de science-fiction. Imaginons, vous avez vu les bulles, c'est une coquille de liquide avec de l'air dedans, de l'air dehors. Imaginons un objet qui soit une coquille d'air avec du liquide dedans et du liquide dehors. Déjà, à votre avis, comment que c'est? Au niveau de la forme. C'est plat? Ouais, je vous ai mis un peu la réponse quand même. C'est une sphère. Exactement pour la même raison que la bulle est ronde. Cette chose-là serait ronde aussi. Alors pourquoi je vous en parle? C'est pas juste pour le délire. C'est parce que ça s'appelle une antibulle. Ça existe pour de vrai. On l'a observé pour la première fois en 2003. Là, vous avez des photos. Alors, je tiens à préciser un truc. J'ai une question par rapport à l'après d'avant. Ouais. Vous parliez qu'il n'y avait que des forces de tension de surface. Est-ce qu'il y a aussi des forces de pression qui vont s'exercer sur la bulle? Je suis un différentiel de pression sur l'air à l'intérieur et l'air à l'extérieur. Bien sûr. Mais ça, en fait, la pression à l'intérieur de la bulle est fixée par la tension de surface, si vous voulez. D'accord, c'est la même force. Oui, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est fixée par la tension de surface.
Je vois pas trop ça en termes de force, mais oui, on peut dire que c'est une seule et même chose. C'est pas une condition supplémentaire. Ou alors, disons, autrement dit, une bulle dans laquelle la différence, parce que ça c'est une loi qu'on appelle la loi de Laplace, une bulle dans laquelle la différence de pression serait pas, entre l'intérieur et l'extérieur ne serait pas donnée par cette loi, la loi de Laplace, changerait de forme. Elle ne serait pas à l'équilibre. Donc pour les antibulles, un avertissement, ce que vous voyez là, donc cette espèce de grosse coquille, c'est pas d'air. C'est un effet d'optique. Vous avez en fait réflexion, ce qu'on appelle réflexion totale de la lumière sur une partie de la bulle. C'est pour ça qu'on a l'impression que, mettons, alors ça c'est en gros 1 cm. Hein. Sur 1 cm, on a l'impression que la coquille d'air, elle fait au moins 1 mm. En fait, non, pas du tout. La coquille d'air, c'est comme pour le film de savon, elle fait de l'ordre du micromètre. Donc 1 millionième de mètre. Et tout ce que vous voyez là, c'est simplement effet d'optique. Donc il faut bien garder ça en tête, parce que sinon on se dit « Oh, c'est des méga bulles avec des films super... » Par contre, ça s'appelle vraiment des antibulles, et c'est vraiment étudié en ce moment, même si c'est relativement difficile à faire. Il y avait des questions ? Ouais ? Ok. Donc, maintenant qu'on a fait les bulles, on va pouvoir les mettre ensemble et faire des mousses. Alors, les bulles, la chose à retenir, je pense que vous l'aurez fini tout seul, c'est la tension de surface, oui ? Juste, enfin, les antibulles, ça... Enfin, c'était comment ? Ça ? C'était comment ? Alors, en fait, la manière de... c'est vachement dur à faire. Et c'est surtout très facile à confondre avec des vraies bulles. C'est pour ça qu'on ne les a pas découvertes avant 2002, c'est parce que déjà, elles sont très très instables, elles durent moins d'une seconde. Et alors, comment les faire ? Je crois que ce qu'ils font... Ils doivent tremper très vite une pointe, alors peut-être qui injecte de l'air en même temps, dans l'eau et la ressortir, enfin dans un liquide savonneux et la ressortir. Et en gros, ils espèrent que ça va faire des antibulles. On en est là. Oui ? Est-ce qu'une bulle peut se créer intrinsèquement ou elle attend un support ? Une bulle peut se créer intrinsèquement. Je ne suis pas sûre de comprendre. La bulle se crée toute seule. La bulle se crée toute seule. En général, elle a forcément besoin d'un support. Enfin, c'est pas d'une création de bulle ex nihilo. Elle ne pourrait pas se créer comme ça, sans une bulle. À partir d'un liquide savonneux, je ne sais pas sa question. Je veux dire que je ne comprends pas super bien la question, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... S'il vous plaît. Oui, répétez la question. Je vais faire un petit peu également sur les bulles. Et donc, nous, on s'était posé cette question, est-ce que la bulle pouvait se créer toute seule ? Par exemple, en champagne, est-ce que la bulle pouvait se créer toute seule ? Ou est-ce qu'elle avait besoin d'un support ? Nous, c'était dans le champagne, est-ce que... D'accord. Alors, oui, d'accord, je crois que je vois la question. Donc, les bulles dont moi, les bulles dont moi je parle, là, c'est des bulles qu'on fait en soufflant ou en agitant un liquide. Mais on peut aussi faire des bulles, comme dans le champagne, qui sont le produit de réactions chimiques qui dégagent du gaz. Oui, et la question à propos de ça, c'est... Bah, du coup, elle se crée toute seule, dans la mesure où il y a du gaz qui est dégagé par une réaction chimique. Oui, oui, non, ils sont TIPE, c'est sur les sites de nucléation, donc effectivement, ils se rendent compte qu'il y a besoin de... Pour que la nucléation se fasse, d'un support... Ouais. Que ça ne se crée pas au milieu du liquide comme ça. Non, bien sûr. C'était ça la question, d'accord. Pardon. Désolée. Oui. Donc, j'ai déjà oublié la question, mais... C'est bon ? J'ai répondu ou pas ? On va continuer et puis on en reparle après ? Donc, comme je disais, la chose à revenir sur les bulles, c'est principalement la tension de surface, qui est cette force qui a envie de minimiser l'air total des films de savon qu'on a, et qui fait que les bulles isolées sont sphériques. Alors, pour les mousses, alors une mousse, c'est un ensemble de bulles, on peut voir ça comme ça. Alors, on peut se dire, bon, bah, facile, une bulle, je sais,
deux bulles, ben, je les colle et puis je résous le problème de minimisation de la surface. Six bulles, pareil, pas de souci, je fais, je fixe les volumes à l'intérieur des bulles, je minimise, c'est un problème de maths, je sais faire. Le problème, c'est que, alors, autant celui-là, je crois qu'on peut le faire avec, à la main avec des équations, à partir de là, il faut faire avec les ordinateurs, numériquement. Là, encore pire. Et en mettant nos meilleurs calculateurs sur le coup, en donnant vraiment tout ce qu'on a, le mieux qu'on arrive à faire en simulation, hein, c'est ça.